Téléguinéen a pas évité nous suivre. Émission Calfou à Compère Philo. Chaque soir 7h, reprise chaque jour 1h dans l'après-midi. Yon Calfou côté tout haïtien, tout l'âge, toute génération, toute tendance, chita parler pour nous demander qui route pour nous faire. Calfou chaque jour, sorti dimanche pour arriver vendredi, 7h dans soir, reprise 1h dans l'après-midi. Sous Téléguinéen, cap montre nous Jean Nouyea. Antenne 18, Digital Cab 69. Excusez-moi, c'est pas faute, non. Mais Calfou, ça c'est pas problème, c'est Guinée. Compère Philo. Compère Philo. On parle qui dit expérience grand monde, c'est notre tête liée. Alors, un pays qui a un monde qui a réfléchi, un monde qui est éclairé, il y a des personnages obligés de suivre, obligés à fond gens pour bailler en pile attention. Parce que l'expérience que vous avez, vous devez vivre combien de temps, ou qu'a vivre l'expérience par vous, mais pas par vous. Donc, c'est pour ça que le docteur Henri Vixama, chaque fois qu'il vient là, eh ben, nous font gens pour nous accueillir. Parce que Geneba El Abdi, c'est comme si son livre que nous avons lu, plusieurs chapitres, plusieurs tomes. Donc, c'est nous pour connaître qui ça nous voulait. Et nous voyons ça dans notre pays, côté Guéan Pile, Gouneg, qui était passé dans l'histoire du pays, ça, ben, il y a toujours des gens pour consulter nous-mêmes. Mais c'est comme si son pays côté un bon boy, et puis nous pas tenu compte des gens qui sont éclairés, des gens qui sont lettrés, des gens qui font expérience. Et expérience qui a servi le pays. Donc, c'est pour ça que nous avons avec nous docteur Henri Vixama, qui est bon en économie du développement. C'est docteur en économie du développement. C'est lui qui parle avec nous. Alors, si nous voulons, nous apprenons ça l'abdia. Si nous ne voulons pas, nous campons côté. Téléphone nous 443 35 32 37 30 51 28. Compère Philo 1 à commercialia.com. www.rtghaiti.com. Téléguinéen a invité nous suivre émission Calfou à Compère Philo. Chaque soir 7h, reprise chaque jour 1h dans l'après-midi. Yon Calfou côté tout haïtien, tout l'âge, toute génération, toute tendance, chita parler pour nous demander qui route pour nous faire. Calfou chaque jour, sorti dimanche pour arriver vendredi, 7h dans soir, reprise 1h dans l'après-midi. Sous Téléguinéen, cap montre nous Jean Nouyea. Antenne 18, Digital Cab 69. Excusez-moi, c'est pas faute, non. Compère Philo, ça c'est pas problème, c'est Guinée. Compère Philo. Compère Philo. Docteur, comment est-ce? Moi, pas plus mal. N'avez-vous par la grâce de Jésus. Bon, ou bon Jésus, ça même trois fois déjà. C'est comme si. Ou faire rencontrer avec lui? Je n'ai pas fait une rencontre avec elle. Mais l'autre jour, c'est lui qui retirait dans la tombe. Mm-hmm. Parce que je suis fini de mourir net, je suis mort. Ah bon? Même pas là que Jésus, et puis le retirer dans la tombe. Eh bien, c'est un bon bagage. Oui, merci oui. Beaucoup. Donc, le monde qui fait du bien, c'est pour lui changer de chemise. Oui, docteur Fit, compère Philo. Je comprends. Donc là, parlez-nous de qui sont les pays là, qui sont les situations là. Je dis à là, n'a pas assisté le Premier ministre Mété, le Premier ministre Yann, qui entouré, qui ont bonne, enfin, ministre qu'il a, des personnalités qu'il a. Qui sont les sortis dans la tension ça, dans la situation difficile ça, dans la situation côté que. C'est pas Haïti seulement qu'on passait dans des moments qui passaient dans des crises. Pas la même. Okay. Compère Philo, Gombaï regrette en pile. M'entendez le Premier ministre en parler. Mais m'parle. Qui Premier ministre? Premier ministre. Henri Séan. Mm-hmm. Même par un côté la poêle met de pied. Parce que il y a deux lois
faut te mettre un côté. Mettre un côté ou bien pour te mettre un côté. Ça veut dire mettre un côté. Mettre pour te passer main sur yo. Ah OK. Ou bien pour te venir avec yo. Pour te venir avec yo et pour te passer main sur yo. Mm-hmm. D'abord c'est loin sous président Feu du Marsais estimé. Mm-hmm. Loi ça est en vigueur et lui permet toute munition fait ça ouvrir. Mais tu as un monde qui devine conseiller pas quitter munition avec une clé dans main yo pour yo ouvrir tiroir yo qui gagne l'argent les ouvrir. Et moun sa octe dit songe loi ça c'est monsieur Arabio parce que c'est yo qui te fait élection président estimé et président estimé t'écoute yo et c'est ça que faut ouais jusqu'on y a pas cap gagner un travail qui fait sans pas gain corruption là-dedans. Ben faut t'expliquer moi là, expliquer moi nous. Loi ça, ça le t'a dit. Et qui est-ce qui t'a fait? Moi répéter encore, qui est-ce qui t'a fait? Mais alors, mais c'était pas estimé qui t'a fait. Estimé t'es venu jeune noir. T'es venu jeune noir. T'es venu jeune noir. Au côté arabe à ce moment-là, c'est yo qui t'a mené le commerce. Je t'ai fait ça ouvrir dans le commerce là. Et comme ce dollar, c'est eux-mêmes qui t'ai fait élection estimée et estimée t'ai quitté yo faire ça ouvrir. Et loi ça t'ai retiré. Jusqu'on y a tout le temps pas venu avec loi sous estimée qui pas quitté Minicio fait tout ça vous voulez, eh bien, c'est très difficile pour Premier ministre Henri faire Kishoy pour empêcher Moun faire corruption. Deuxièmement, Gon loi te dit faut toujours gagner un ministre du budget. Tant que loi ça n'a pas retourné sur le tapis, pour un premier ministre venir avec un ministre du budget, non, c'est très difficile pour toute bagaille marcher très bien au ministère des Finances. Parce que dans le ministère des Finances, gagner un employé qui pas gain droit manquer. Il y aurait lui un contrôleur financier. Contrôleur financier sont employés du ministère des Finances qui gain droit contrôler même les achats du ministre du budget. Il gain droit passer quand même ministre du budget à minuit pour la contrôler dépense l'a fait il doit passer caille tout le monde qui gagne contrôle l'argent de l'État à n'importe quelle heure sans pas aviser ce contrôleur financier et ou pas capable recevoir ou pas capable refuser recevoir à minuit hein? Même à minuit ou pas capable recevoir bon loi qui dit ça oui. Son seul monde n'y pas gain droit contrôler. Son seul caisse n'y pas gain droit contrôler. C'est la caisse noire du président de la République. La caisse noire du président de la République, celle que le contrôleur financier n'a pas le droit de contrôler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Mais contrôleur financier ça, qui est-ce qui a pris le nom? Qui est-ce qui a pris le job là?
Parce que dit nèg qui nèg qui bon job là, c'est lui qui arrive au gotou. Non, Gombaga est dans la loi qui dit que ce contrôleur financier est nommé pour 5 ans. Et on fait pas commettre on a fait louche et sale et bien là il pas gain droit contrôle révoquer pendant 5 ans. C'est ça la loi ça dit et ça loi ça n'a pas personne qui jamais touché à lui. Il l'a toujours. Mm-hmm. Donc si deux baisse pas fait ben ouais, qui gens nouveau ministre après le fait pour contrôler le vice, pour contrôler le vol. Donc, ben, ça est très important. Loi qui empêchait un ministre faire salver, loi qui empêchait, qui permet un ministre aller contrôler tout le monde cap contrôler l'argent de l'État. Tout le monde doit contrôler. C'est le président de la caisse noire seulement du président de la République qui va doit contrôler. Ça, si on pas fait li, on va comprendre, on va voir qui gens ça bien marché. Parce que ben, il marché mal depuis estimé. Depuis que le président estimé, Arabio qui a contrôlé le commerce là, et qui te fait le président, depuis Arabio, te fait le retirer, mettez-le à ça de côté. Pas jamais, il pas cap marcher bien du tout dans un cabinet ministériel. Conseil ça, d'abord, président, l'actuel président de la République. Deuxièmement, ça, pour le président, pour le premier ministre, pour le taf, demain matin, qu'on peut faire mettre Kouem, le département du Sud, pas cap Kemba encore, le département de l'Ouest, pas cap Kembe, tous les 10 départements, pas cap Kembe, tellement il y en a misère. Quand on passe, on a besoin de 10 familles, 10 enfants, pas manger depuis matin. Quand on passe, on a besoin de 11 personnes qui vont manger depuis hier. Ainsi de suite, Premier ministre Mouniona, ce n'est pas seulement la vache enragée, non, il a mangé. Il a mangé sans qu'à répéter et que nous, personne ne peut écouter tant d'elle non plus. Tellement il y en a misère. Et il y en a misère telle que les parlementaires, ils ont même tellement en bien-être que personne pas occupé de eux. Vraiment, c'est demain matin, monsieur le Premier ministre, pour t'enjoindre 800 millions de dollars américains prêtés pour mettre moun dans le travail. Faut mettre au moins 850 000 haïtiens au travail demain matin. Demain matin, oui. Ce n'est pas après demain, il n'y a pas 4 ans encore. Il n'y a pas 4 ans encore, il n'y a pas 4 ans encore. Vraiment, il n'y a pas 4 ans. Si mon koto yo konye a, il n'y a pas expliqué que j'ai mis à red, j'ai mis à noir, alors, vous n'avez pas besoin de compter sur yo. Il n'y a pas sincère. Si vous n'avez pas expliqué que j'ai mis à noir, dans les 9 départements géographiques, et dans les 9 départements, vous mettez travail demain matin. La nature, barou, bagay pour travail. Demain matin, tando parler de char. Gen ou ka mette char. Demain matin au travail. Sac char. Le char dont le président, Jovenel te parlé à. Caravane? Non, la caravane, excusez-moi. La caravane, on peut mettre une caravane demain matin. Président Jovenel, te mettons une caravane. Première caravane était ouvrière, c'était dans l'Artibonite, une caravane du nord, dans l'Artibonite. À Mémé, tu te joins à faire avec
une compagnie américaine, qui a travaillé cuivre, qui sortit depuis mai, qui passait sous Gaumont, qui passait sous Jean, puis passait même sous Jean Rabel, l'alerté sous Jean Rabel. Yo cap mettait ça au travail de même matin. Si docteur président Jovenel veut travailler vraiment avec le premier ministre, et si le premier ministre veut travailler avec elle, demain matin, mener caravane ça à Mémé, à la porte nord du département. Ce n'est pas du département de l'Ouest. Mes amis, si vous hésitez comme ça, excusez-moi. C'est que je gagne 2 ans. J'ai 96 ans. Donc, si je m'a monté comme ça, excusez, c'est l'âge-là qui fait un peu excuser de ça. Bon, Naptando, c'est gagne, l'âge-là, tout qui expérience là. Oui. Ensuite, du gagner. Un char, s'il veut mettre le dehors demain matin. Vous parlez de caravane? De caravane, excusez-moi. Merci beaucoup, compère Philo. De caravane, non. S'il veut mettre le demain matin. C'est demain matin même l'a changé la situation Mounio. Mounio, pas dans la misère, même j'en ai qu'on y a. Demain matin. Parce que l'air sous Duvalier, t'es gagné. Mémé, moun soti Wanamet, moun soti Okai, moun soti Jacmel, moun soti dans tout pays, yo vin travay Mémé. Est-ce que vous travail pour ka fè Mémé? Oui, pendant ce temps, wap nettoyer terrain, wap chercher exploiteur. Pendant ce temps, wap nettoyer terrain, oui. On va chercher exploiteur. Le fin encore. Parce que sous ouvrir Mémé, qu'on y a, on va ouvrir 2 départements encore. On va ouvrir nord-ouest, on va ouvrir nord. Ou gagner demain matin même. Ou à pour. Monsieur, il y a un gaspillage, oui, qu'a fait. Et puis nous. Le peuple a misé, il a mangé la vache en rangée, il a mangé mango pourri. Et puis, richesse a gaspillé dans le pays. Mais vous ne pouvez pas parler avec lui, avec le président, comme c'est mon zone Bolakayo. Longtemps, nèg yo dit que c'est drain, nèg t'as exploité des bagailles que yo t'es caché le gouvernement. Là, yo t'as pris l'eau, yo dit c'est cuivre. Et puis, yo pas. Sans bonjour, le gouvernement vient voir que c'est l'or que nous avons exploité. Donc, vous parlez de Mémé et vous conseillez de l'autre bagaille. Par exemple, il y en a qui parlent de souche chaude. Souche chaude. Oui. C'est un côté, par exemple, dans les Caraïbes, il y a des volcans là-dedans. Souche chaude que vous avez. Il n'y a pas même avec Panouan. Nous-mêmes, nous avons fait des bagailles intéressantes côté que. D'installation côté en pile touristes qui sont venus en sécurité parce que zone là c'est pas une zone qui est dangereuse même gens avec l'autre côté dans Caraïbes là qui gagnent des sous chaudes donc il y a des choses que nous sommes capables de faire je vous dis est-ce qu'on peut parler ça avec monde qui est dans le gouvernement ou bien président de la République là. Dans tout pays sérieux, c'est ça qu'on a toujours fait. Depuis son monde qui a connaissance, même s'il est âgé, il fait appel à lui. Il a fait des consultations, il a fait des consultations. Donc, comment se fait-il qu'un président de la République, hein, qui est mon zone, ou pas chercher où elle, même si à l'âge, ça, c'est lui pour ta courtoisie pour chercher où elle, comment respect que je vous dois, docteur. Donc, est-ce que ça peut être fait
ou bien le content doit parler, ou bien leur port de paix, ou pas qu'on rencontre lui, ou bien le pas descendre là souvent, ou bien pas qu'on chita parler. Mais besoin comprendre ça pour jeunesse là, qui demain matin pourra le faire route parler, qui pourra le faire expérience parler, pour le connaître si demain matin le grand pays pour le diriger. Des mondes qu'en cours, c'est à des mondes que qui t'a donné la parole, qui t'a donné toute ton attention. Parce que Jean pays a est là, il n'est pas bon, et personne n'a pas accepté que pays a Jean est là pour vivre là-dedans comme ça. Alors que voisin sous côté nous, depuis son est un personnage qui a une expérience, eh ben c'est beurre au beurre pour prendre connaissance que le gagne. Pas la même, docteur. Non, alors, peut-être qu'il y a une raison à cela. Grand pile moun kap fè un pile bagay, yo konnen menm gen grand bouche. Ou son kalbas grandiol. Oui. M'gobre. Et si m'ap jwenn président, m'a parlé, raconté li an pile bagay. Bon, non baga anko ki piren. Se question l'argent. Président konnen yo pap prete Haïti l'argent. Mais quel que soit financier, l'a prêté les banques d'Haïti l'argent. Ça me connaît. Si le président montait une société des banques d'Haïti, l'a besoin l'argent. Et ensuite, comme on a un pays étranger qui n'a pas un sale tabac, ce n'est pas un pays étranger, non, deux pays étrangers me connaît. Il n'a pas un sale tabac pour Haïti vient demander au prêter l'argent. Une, c'est la Grande Chine. Mm. La Grande Chine est prête à prêter n'importe quel capital à Haïti. Je parle en connaissance de cause, parce qu'à un certain moment, le général de Gaulle partait bien un peu avec le président Tombalbaye et président de la Chine, te gantan comme ça. Li fait tout ça le capable pour président Tombalbaye te vin mandé le prêton l'argent. Mais président Tombalbaye, comme il a président de Gaulle depuis longtemps, il pas de jamblé à la Chine. Gen on côté encore, ça m'tal là. Y aurait les la Chine, c'est pas la Chine, non, il y aurait des lits, je viens de blier, non, le connaît, mais il y aurait des lits. L'homme, si le président allait dans l'île de l'homme, oui, ah bon, voici le nom, l'île de l'homme se trouve tout près de Londres, second bon chaloupe pour aveler, eh bien, on va joindre l'argent prêté dans l'île de l'homme. C'est en Angleterre. L'île de l'homme a prêté à Haïti n'importe quelle somme d'argent. L'île de l'homme a prêté à Haïti n'importe quelle somme d'argent. Donc, il y a qu'à demander l'argent. Et ensuite, en Haïti même, je prends une nouvelle que une association des banques qu'on appelle bancarisation. Si le président n'a pas besoin d'aller lui-même, si le premier ministre là, ou bien une délégation même, il voyait la quantité d'argent de besoin pour prêter, pour la bancarisation prêter. Président, ou pas besoin plus que 800 millions de goudes. Ou pas besoin plus que de 800 millions de goudes. Pour demain matin, on mettait au moins 800 000 Haïtiens au travail demain matin. Commencez par louer un caille. Excusez-moi, pas un caille. Cherchez à louer demain matin 800 locaux dans tous les pays.
pour commencer à faire travail, ou à faire au moins 'achète le crédit, il y a plus de crédit, ou bien prend tout bio kazek, tout bio azek, commencer à faire des maisons pour recruter moun, pour pas gagner moun kap vin mande yo. Quand vous voyez pas rien de marin, vous demandez. Les premiers arrivants seront les premiers inscrits. Et puis, en octobre, en décembre, vous employez Mounio. Ou cap fait le président, même si vous avez 5 heures de matin, vous cap fait. Commencez à employer Mounio. Il y a une confiance et bancarisation de la prête aux l'argent. Ou pas même besoin d'un milliard de dollars. Lorsque commencez le travail, ou a demandé prêter 1 milliard de dollars pour qu'il travaille dans le département du centre. Parce que la nature a fait quelque chose. Maintenant, il y a mieux que ça. Le président a mis tout le pays avec l'électricité. Mettez tout le pays avant nous partir. Mettez tout pays, bail tout pays à électricité. Ou fait électricité à, peut-être pas vous faire avec Cannes, mais mettez tout pays à au travail demain matin s'ouvrez. Président, Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît, plantez Cannes. Eh bien, on a tourné à l'heure. Téléphone par nous 443 35 32 37 30 58. Compa Philo 1 à commercialia.com, www.rtghaiti.com. Eh bien, grand moun yo gen expérience, c'est pour nous suivre, c'est pour nous parler avec eux. On apprend, ça n'apprend, on a rejeté, ça n'a rejeté. En tout cas, expérience dans l'île en main. Téléphone nous 443 37 32. 37 30 58, Compa Philo 1 à commercialia.com, www.rtghaiti.com. Vous avez invité nous suivre l'émission Calfou à Compa Philo. Chaque soir 7 heures, reprise chaque jour 1 heure dans l'après-midi. Yon Calfou côté tout haïtien, tout l'âge, toute génération, toute tendance, chita parler pour nous demander qui route pour nous faire. Calfou chaque jour. Sorti dimanche pour arriver vendredi, 7h dans soir, reprise 1h dans l'après-midi. Sous Téléguinée, Cap montre nous Jean-Nouyéa. Antenne 18, Digital Cab 69. Excusez-moi, c'est pas faute. Mais ça, c'est pas problème, c'est Guinée. Compère Philo. Yeah. Compère Philo. Yeah. Alors, Monsieur Vixama, Docteur Vixama, vous parlez de. Là, par exemple, tu as un problème entre Tombalbay et De Gaulle, Baïsao. Il était obligé, Tombalbay était obligé de demander prêter en Chine. Alors, il faut que nous disions, pour les jeunes qui ne connaissent pas, Tombalbay était un petit lit ici qui était arrêté pour qu'il mette Giragou. Là, tu as un problème, ben, Timounio, c'est là où tu es venu étudier en Haïti. Donc, nous, c'est pour Genio qui ne connaît pas. On parlait de l'île de l'homme. L'île de l'homme, on dit que le gouvernement a un droit à le prêter comme ça. Mais est-ce que là pas aussi facile pour le prêter comme ça? Pour le parler, tu demandes qui est ça? Haïti, Haïti, son mauvais nom, son nom qui a des problèmes en Europe là, bah, comme ça. Et on dit son équipe bandit, nek, ça, oui, son équipe nek, on comprend, l'obéit. Donc, bon réputation que nous avons. Vous comprenez, je mal Cuba et puis bon fort, côté négo marqué, ça fait construire fort ça, c'est pour éviter que les Haïtiens viennent porter une révolution dans la zone. Donc, son problème, Haïti a son problème que lié. Qui j'en vais le faire, docteur, pour nous prêter comme? Est-ce qu'il a prêté au COB? Non, il a prêté à Haïti COB. Ça fait tout ça parce que
l'emtap fait révolution sous Duvalier, m'tap travaille avec beaucoup de militaires. Et c'est avec les militaires, ça, m'tap apprendre l'armée juste au grade de capitaine. Monsieur Sautem Seyok te mené à l'île de l'homme. Et on parlait de militaires. Militaires américains. Ah bon? Qui te mené jusqu'à l'île de l'homme. Mm-hmm. Et l'île de l'homme te dit que il a prêté n'importe quelle somme d'argent les moins président d'Haïti. Mm-hmm. Alors, ça que fait pas d'accepter. C'est que yo t'ai accepté yo même pour yo prêter 1 000 $ américains. 1 000 $ américains pour m'acheter des armes. 1 000 $américains à l'époque. À l'époque, pour m'acheter des armes, pour m'ouvrir camp d'entraînement. Mais l'infine président fait yo 5 000 $ pour 1 000 $. C'est ça que fait pas accepter. Ouais, ça, hein. Nous tournons alors pour jeunes qui apprennent l'histoire du pays. Si nous avons lu Frédéric Douglas, nous avons que Frédéric Douglas dit c'est nous-mêmes qui avons fait les gourmets, nous-mêmes. Alors, qui est Frédéric Douglas? C'est le premier ambassadeur américain en Haïti. Le président Hippolyte Tévoé a une mission pour lui, et puis il est arrivé. Et puis il a parlé de Haïti, blanc a dit ben Haïti sont bon vacabon, il dit oh vacabon, son pays sérieux, son pays côté tinèg noir vivent bien, son pays côté que tinèg noir regardez donc yo fier ba ça yo, c'est nous mêmes qui voulons prêter yo, qui dit yo n'a prêté yo cob, n'a prêté yo bateau, n'a vendu yo bateau, n'a vendu yo bail crédit pour leur président pour nous capable toucher cob nous reprendre. Donc, c'est dans le même bail que vous menez là, d'après ça, mon docteur. Oui, c'est dans le même bail que vous menez. Pour faire nous une goutte à l'autre. Oui. Vous comprenez? Oui. En tout cas, ce n'est pas blague. Donc, vous pensez que nous avons une copie prêtée? Nous avons une copie prêtée, nous avons une copie prêtée en Haïti même. En Haïti? En Haïti même, oui. Est-ce que nous pouvons faire le même bail du Valier? Non. Bon. Pour prendre l'argent. Comment dire le bail ça? C'est bon, bon. Non, mais qui j'aime pour ta faire ça vos travail. Bon pile commerçant, bon pile entrepreneur, bon pile avocat. Tout le monde ça yo. Ou gagne taxe pour payer chaque mois ou même chaque année. Ou mandé pour prêter taxe pour 3 ans. Crédit. Et après 3 ans, on va commencer à payer yo. Et on mettait au moins 5% même 10% sur l'argent. Et puis il y a prêtot tout l'argent besoin pour mettre travail dans le pays demain matin. Il y a prêtot, monsieur, il y a prêtot. Tout dépend de façon présente là. Mm-hmm. Mais est-ce que j'en ai vivre là, c'est pas tachita pour tachita parler de ça? Est-ce que nous avons des prêts là? Qui n'est pas dit, ah ouais, même, m'a déprêté. Il y a des bons, il y a des bails qui étaient faits sous Duvalier. Est-ce que nous avons touché comme vous? Il y a qui peut-être pas touché, mais il y a qui dit, il a été payé. Vous comprenez? Qui j'en ai pas le faire là? Mais non. On a demandé, on a prêté comme, et j'en paye à là, t'as le. C'est de courir, la palais, ou bien c'est de. Est-ce que ma prête là? Est-ce que j'ai une garantie là? Est-ce que j'ai investi là? Si mal prêté cob, est-ce que cob là? Et on va pas jeter à cob là? Toute réflexion ça, nèga ka oui. A dit là. C'est vrai qu'on peut pilo. Gen moun ka peut faire réflexion ça. Mais gen de l'autre aussi qui pas faire réflexion. Tout dépend de ça porté comme garantie. Nous gagnons là Jacques Mel. Jacques Mel, c'est le pays le plus riche de tous les pays d'Haïti. Jacques Mel, oui. Jacques Mel. Oui. Il a gagné un métal. Il y aurait l'iridium. Une tonne d'iridium coûte 45 milliards de dollars américains. Une tonne d'iridium, oui. Donc, bien entendu,
son seul bagage qui gagne, américain risque faire ou pas ou fou ou à l'exploiter iridium non américain cap empêcher parce que iridium sont une des métaux qu'on besoin pour aller sur la lune. Donc yo même yo besoin puisque c'est 8 pays seulement dans le monde qui gagne iridium. Et le second des pays, c'est Haïti. Le premier, c'est Afrique du Sud. Donc, on voit tout ça. Il y a deux pays qui gagnent iridium. Non, huit pays qui gagnent iridium. Mais ma palo pays, là où aller l'hôpital. Je mettais ben en bas bras ou ben en bouche. Mercure. Mm-hmm. C'est deux pays dans le monde qui gagnent Mercure. C'est Tchécoslovaquie et Haïti. Et dans Haïti qui gagne Mercure là, ça est étonnant. C'est au Mall Saint-Nicolas. Au Mall Saint-Nicolas, oui, compère Fido, qui gagne Mercure. Or, nous disons. Mais le ministère mine, ben, ça n'est pas au courant, comment on fait au courant même? Vous êtes civil ou au courant, docteur? Et puis, il faut le ministère mine au courant tout, de tout ça gagne comme non. Richesse. Comme ça, c'est, ça sent rien. Il y a une platine, nous-mêmes, oui, nous avons une platine iridiée. Nous avons de l'or, 24 carats, 22 carats, 18 carats. 14 carats. Nous avons de l'or à ciel ouvert. Nous avons de l'or à ciel ouvert à Lansafouleur, du côté de Port-de-Paix. Nous avons de l'or à ciel ouvert à Bassem, à Limbé, dans la 8e section rurale de Limbé. Si on te connaît l'histoire, ça, je ne sais pour qui, président, yo, président. Président Jovenel, Premier ministre Henri, vous pouvez vendre des terres. Nous avons le Premier ministre, le président, feu président Henri Nanfi, avait vendu une mine d'or à ciel ouvert, au PNUD. Le PNUD a payé et ensuite des ministres ont reproché au président Nanfi d'avoir vendu ça à un prix léonin. Et puis un jour comme ça, président Nanfi prend plumni, il résilie contrat avec le PNUD. Et depuis lors, la mine d'or à ciel ouvert du Banimbé, elle reste là. Depuis lors, le président Nanfi n'a jamais vendu, n'a jamais offert la mine d'or à qui que ce soit. Mm-hmm. Vous pouvez vendre cette mine d'or à ciel ouvert. Il y a une autre mine d'or aussi à ciel ouvert. À Bat-Sainte-Anne, du côté de Lansafouleur. Vous pouvez vendre ces mines d'or. Oui, mais au compte, ça me donne répéter encore. Quand on joue une information, ça, docteur. Parce que je te dis, au grand pied dans la tombe, on l'autre. Sous terre. Oui, sous terre. Donc, il y a des bagailles, dit. Et on te dit ça. Et dernièrement, on parlait, on dit. Gélébaï, qu'on connaît, c'est parce qu'on a un petit tout qui est ingénieur pétrolier. Ingénieur pétrolier, ça, il y a des bêtes qui sont oui. Ben, nous-mêmes, nous ne connaissons pas, nous ne sommes pas au courant. Donc, ben, nous encore. Ou peut-être si un bonjour, ou pas, je me connais. Hein, si vous avez fait route là, hein, au moins, ça qui vient derrière vous, tu es au courant que mais ça gagne comme information, comme richesse que nous gagnons dans le pays. Là. Comment parler avec nous? Mais c'est ça m'a fait avec nous là qu'on y a. Oui. Mm-hmm.
Donc, nous avons platine, nous avons platine iridiée. Nous avons uranium. Nous avons uranium. Nous avons mercure. Nous avons uranium, nous avons mercure. Nous avons plein de métaux. Mais comment se fait-il que nous ne pouvons pas prendre eux, nous ne pouvons pas bailler eux? Parce que quand tu as parlé, tu dis que faut que nous avons une monnaie, politique. Une monnaie politique. Est-ce que le fait que nous gagnons ça là tout, c'est pas ça qui fait que nous avons une bataille, nous avons un l'autre qui dans notre pays africain qui gagne pétrole, qui gagne et ben ils font, ils mettent deux camps là pour faire un main faire l'obéir pour ne pas qu'à exploiter ça ne gagne. Est-ce que c'est pas ça tout? Non, c'est parce que parlementaire nous yo paroisse. Yo bay parlementaire nous yo ça tout nous mais qu'on y a monsieur Henry premier ministre, yo bay au travail pour faire. Yo gen presque yo va gen 2 ans depuis audio tout en gen un économiste calé Radio Guinée, il dit gen mine nous-mêmes députés, nous-mêmes sénateurs, mais on travaille ben pour nous faire. Elle dit, côté ministre, elle cherche. Le président a dépensé l'argent pour nous. Pour nous, elle dit, est-ce que ça, économiste Henri Vixama Abdio, est-ce que c'est faux ou bien est-ce que c'est vrai? Yo prend travail là, yo prend travail là, yo dort avec, yo dort avec. Enfin l'autre jour, yo reçu bail bureau des mines, yo petit mot au travail. Pour dire que vraiment gagné bagaille, mais yo pas bail assurance que nous gagne toute richesse que me qu'on dit nous gagne. Ah bon, m'a parle pour député actuel qu'on y a, oui, sénateur actuel yo. Mm-hmm. Yo gen travail là nan mais pou faire depuis plus d'une année oui. Donc qui travaille son parole que t'étais tendo te dit? Oui. Ah bon, ça t'est conduit travail ça ba yo. Ça t'est mené le ba yo. Ba konn ki moun ki t'est mené le ba yo nan Radio Guinée yo t'est pon. Ah bon? Mais yo pas jamb ba travail là. Yo gen plus que année nan mais yo. C'est l'autre jour yo reçu ba travail là. Qui moun yo ba travail ça? Yo remet la chambre, yo remet le sénat. Ah bon? Ils remettent le bureau des mines. Mm-hmm. Le bureau des mines gagne tout. Gagne tout. Mais partir... par contre, pour qu'ils ne puissent pas publier. Bon, ils ont peur parce que vous parlez de mines, de richesses, qu'on gagne en bataille, ou quand on est suspect, qu'on voit un gouvernement qui a tombé, c'est ça, nest vous mettez dans la tête. Alors que, ou même, vous parlez de monnaie politique. Même le blanc, Pablo, fait, elle va planter une série de bagages, mon cap négocier avec elle pour dire, mais ça me voulait, mais ça qui t'a cap fait. Donc, vous pensez que ça cap fait, c'est pas eux, nous pas eux. Nous ne pouvons pas dire c'est X, c'est Z, c'est député, non. Nous tous, nous pas eux dans le pays, nous pas contre quoi. Nous avons joué même pour Amaï Moulin, nous avons dégoûté sous table, nous avons joué Zo. N'a bêtisé, alors que il y a des milliards, des millions qu'on a fait. Oui, d'après oui. Ça, me comprend. Oui, c'est ça, compère Philo. Mm-hmm. Et puis, quand on a fait un bagage, on ne peut pas remarquer ça. Monsieur, maintenant, tête que c'est le président Jovenel qui est responsable seul président. Alors que nous disons que c'est l'État qui est responsable pays. L'État, ça signifie le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Ces trois, monsieur Sao, ces trois groupements Sao qui forment l'État, ces trois groupements Sao qui peuvent travailler ensemble pour faire le pays à marcher. Ça, qu'on y a jeunesse là, à débrouiller, puisque lui dit que pas gagner encore. Permettez-moi de dire ça. Lorsque le 6, 7, 8 juillet, jeunesse là te prend les rues pour secouer les meilleurs,
les meilleurs. Comment les meilleurs. Pour secouer le pays. Pour secouer le pays. Ce n'est pas parce que j'étais vagabond, non. Je voulais montrer que il a fini avec ce qu'on appelle le bagaille quête. Corruption, hein? Non, c'est pas corruption, non. Qu'elles sont mettez l'argent sous compte monde. Mettez l'argent sous compte monde. Fait mon payer. Imposition. Ouais. Pour mettre impôt. Ah, ok. Je comprends. Donc, il dit qu'il faut finir avec la question de impôt sur le monde. Alors, c'est ça. Impôt pour mettre impôt sur le là. Les présidents viennent mettre impôt sur le gazonina. De monter taxes sur gazonina. Eh bien, alors, il dit qu'il faut finir avec ça. Il faut nous venir avec un autre ministre qui a venu avec le contraire de ça. Bon, Mando, M. Vixama, pour quand il t'est parlé ou parlé dans le pays, comment se fait-il que pas jamais gagné des gens dans le gouvernement qui approchaient ou pour dire, quand on connaît l'information, ça, est-ce que l'information, ça, c'est vrai? Moi, je parlé avec un ex-ministre, il dit, oui, gain pétrole dans le pays, parce que le bail fait une étude ici, en Haïti, et c'est des Canadiens qui te font étude, et puis ils ont gain pétrole. Gain pétrole, il vient un bonjour, le conseil des ministres, il vient avec tout papier, bah, et puis il n'est pas occupé. C'était sous président Préval. Il n'est pas occupé. Donc, il me parle avec un autre qui était dans le gouvernement Duvalier. Il dit oui, c'est gain pétrole, parce que l'heure arrivée la veille, il a acheté champagne, il a le boire, et puis il y a un coup de fil qui dit pas question. C'est vrai, oui. Comprendre tout les plié que eux, ils disent non, pétrole ça est pétrole, nous. Comprendre, non, et comment ils disent ça, dans le golfe Lagonav. Oui. Ils disent c'est pétrole pas, non. Pétrole qui est, alors que sous territoire pays allié. Donc, est-ce que ça n'est pas peur qu'il ne faut pas parler de. Ils ne pas chercher, font gens, gain information ça, pour qu'on ait ça nous en bataille. On connaît, nous gagnons marbre rose. Oui. On aime même pas ça. Mettre là, on parle de marbre rose de Winston Churchill. Oui. Hein? Oui. Parler de. Oui. Moi, non seulement marbre rose, Winston Churchill est venu. Alors, femme Dieu, pour Winston Churchill, c'était premier ministre anglais. Il était venu ici en promenade. Les jeunes, ils allaient Pilboro. C'est dans Pilboro, dans la promenade Pilboro. Et puis ils jouent à ça. Et puis ils prennent non seulement marbre rose, marbre noir. Ils jouent d'autres produits encore qu'ils voyaient la caille. Donc, si je suis en Angleterre, je suis venu de ma blouse, je suis venu de ma blouse. Oui. Vous comprenez? Et puis, nous avons là, nous avons baptisé, nous n'avons pas voulu. Vous comprenez? Dans la zone Tibonite, dans la zone en Vango Naïve, dans la savane désolée, à conseil de marbre, il y a besoin, il y a pris, il y a mis dans un camion, à le voir vendre. Oui. Donc, ça veut dire que nous avons plus de richesses, nous n'avons pas exploité. Ouais. Beaucoup de richesses. Donc, même quand on baille ça, c'est parce qu'on a un petit roi qui est ingénieur pétrolier dans un pays étranger, et puis parce qu'on est dans le gouvernement, on tombe le bail. Au courant. Oui.
Tu voyages en pile. Ou tu voyages en pile. Tu es toujours en mission. Oui. Mm-hmm. Donc, il y a des dossiers qui passent devant, il y a des informations qu'on gagne sur Haïti, que même Haïtiens n'ont pas gagné. Oui. Vous comprenez. Mais il faut écrire un livre, docteur. Je n'ai pas gagné tant encore. Pas gagné tant encore? Mais non, j'ai 96 ans. Bon, vin là, vous pas gagné tant. Comment on fait pas gagné tant, docteur? Vous êtes capable de faire? Vous êtes capable d'écrire un livre ça, en souvenir de tout côté au passé, de conversation avec les chefs d'État concernant Haïti, au cap parler de Haïti. Quand on sort, si c'est Haïti, ah, Haïti, mais important, ce qu'elle a pour nous. Tout le monde, c'est très bon qu'on fait. Non, ça dit qu'on a raison. Hmm? Ça dit qu'on a raison. Mais même, c'est moi qui mets dans la tête, moi, peut-être n'importe qui commence à faire des choses, la mort a passé pour moi. Bon. Si la mort est pour passer pour on, eh bien, la prend au cours de août, là. Oui. Ben, nous tous, nous sommes pour aller. Donc, nous ne pouvons pas faire ça, puisque nous avons Jésus. Hein? Oui. Au cours de la donne, nous avons quitté le livre là. Oui. Hein? Dicap, puisque moi, l'autre jour, je le sauve, je vraiment le retire dans le trou. Alors, Dicap fait le tout. Bon. Je vais faire tout, donc. Je vais faire le livre, docteur. Je ne sais pas si Jésus a permis de faire. Ah, sûrement, le livre a permis de faire. Oui, il semblerait même, parce que moi, je ne vais pas mourir en Afrique, c'est que Jésus te remet vraiment. En Afrique? Oui. So, Je travaille avec le président Tombalbay. Mm-hmm. Et puis, un soir, il dit nous, il dit n'a pas aller. On a parlé en bourse, c'est-à-dire en dehors. Mm-hmm. Moi, je dis oui. Et puis, il fait tout le monde parti. Et puis, il était lui-même seul, chauffeur et moi-même. Et puis, chauffeur a perdu dans la route là. Mm-hmm. Et puis, il a passé dans une zone qui gagnait Lyon. Alors là, on a passé dans la zone, tout le monde peur. Et puis, c'était une. Même oublié nos machines. Les machines ne prennent pas panne. Les machines ne prennent pas panne. Et puis, ils ont dit côté chauffeur, côté machine qui venait avec Zouti, ils ont dit président, ils ont dit machine, ils m'ont allé. Alors qu'il est me retirer à moi, vers moi, sous moi, il me dit, moi le chauffeur, il me dit, viens faire machine dans la partie. Il dit, viens faire machine dans la partie, machine pas de partie. Machine nous était là-dedans? Machine était là-dedans. Donc tout le monde a tremblé. Moi-même, je n'ai pas tremblé. Moi, je dis, chauffeur, elle garde la batterie. Il dit que la batterie n'a pas marché. Moi, je dis qu'il a gardé la coille. Émission finie. Et bon puis, je m'en mène même tout près de la coille. Et puis, la coille a brûlé. Et puis, il me dit, président, où là pour 15 minutes seulement. Il n'y a pas besoin de manger. Non. Ah bon? Ça a gagné, c'est la coille qui est venue chaud. Mandez-vous, est-ce que vous n'avez pas un mouchoir là? Chauffeur pour le mouchoir, ben oui. Comme tu as un thermos là, tu as une glace. Mm. Et puis. Ou rafraîchis-le? Je rafraîchis-le. Docteur, vu que ça m'a émission finie, oui, bah, téléphone rapide, c'est 05, oui, c'est ça. 3705-2102. Ouais. Eh bien, nous dit Dr Vic Samar, merci pour l'information, ça, que le toujours bail. Eh bien, bon, nous souhaitons que le président ou bien le monde qui, premier ministre, là, il a pris l'information, ça, il travaille sur eux pour voir qui c'est capable de joindre. Comprendre ce qu'il est capable de joindre comme ressources pays à rien, besoin,
pour nous retirer quand nous dans ça nous là. Téléphone nous 443 35 32 37 30 51 28 compafilo 1 à commercialia.com www.rtghaiti.com. Télé Guinée a invité nous suivre émission Calfou à compafilo chaque soir 7h, reprise chaque jour 1h dans l'après-midi. Yon Calfou côté tout haïtien, tout l'âge, toute génération, toute tendance chita parler pour nous demander qui route pour nous faire. Calfou chaque jour, sorti dimanche pour arriver vendredi, 7h dans soir, reprise 1h dans l'après-midi. Sous Télé Guinée, cap montre nous Jean Nouyea. Antenne 18, Digital Cab 69. Et Guinée, excusez-moi, c'est pas faute. Non. Je fais Calfou, ça c'est pas problème, c'est Guinée. Compère Philo. Yeah. Compère Philo. Yeah.